J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler K-Beauty. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça y est, je vais filmer juste après cette vidéo le concours des 1000 abonnés. Je m'excuse pour le retard, donc abonnez-vous et restez connectés, ça va arriver très très vite. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle collaboration avec YesStyle. Comme vous le savez, j'ai découvert la beauté coréenne grâce à Jenny. Et depuis, vraiment, je suis très très addict. Je passe régulièrement des commandes et je reçois des produits en tant qu'influenceuse YesStyle. Et justement, aujourd'hui, j'ai reçu les produits pour une routine pour peau sèche à irriter. C'est vrai qu'en cette période, la peau a tendance à être très très sèche si elle manque d'hydratation. On a tendance à oublier de s'hydrater en journée. Donc même moi qui ai la peau normale à mixte, j'ai par zone de la sécheresse sur ma peau. Donc ça reste vraiment très très intéressant. Donc si vous passez par là et que vous souhaitez en savoir plus sur la beauté coréenne et de plus si vous avez la peau sèche à irriter, restez connectés, ça va vous être vraiment très très utile. Gratuitement ces produits pour les tester ensemble et pour vous les présenter sur ma chaîne. On va commencer par ce que vous avez vu sur la miniature, mais les produits, la K-Beauty, les amis, c'est des, ça vous, soit c'est très très mignon, soit c'est futuriste. La composition est vraiment improbable. En tout cas, ça reste très très clean et les prix sont très abordables. Rapport qualité-prix, je pense que c'est les meilleurs sur le marché en ce moment. Voilà, cherchez pas trop loin. On va commencer donc par ce produit effectivement qui est futuriste, je trouve. Le packaging est juste dingue. C'est la gamme Sisua et la marque, c'est la marque Unleash. Elle est, c'est une marque de K-Beauty très connue, plutôt en make-up. Vous avez peut-être, si vous suivez un peu la beauté, vous avez vu passer les petites palettes de 9 fards, je pense, avec des paillettes. Je vais vous mettre la capture ici. Elle est très connue pour ces palettes-là. Et maintenant, elle nous sort une dinguerie. C'est du skincare, donc. Et c'est ce que vous avez vu en miniature. C'est des pads, ou genre de patch apaisants pour les peaux très sèche, qui tiraille. Donc c'est des petits. Déjà, regardez-moi ce packaging. Est-ce qu'on en parle? Bien sûr, donc c'est du plastique recyclé, recyclable. Voilà. Je vais pas vous détailler tout ça. Maintenant, c'est très très clean. Et alors, j'ai ouvert. Il y avait. C'était operculé, mais je l'ai ouvert pour faire ma petite miniature. Vous avez une pince. L'endroit où ranger la pince. Nickel. Après, vous attrapez des pads et ces pads-là, ça se coupe en deux. Donc, vous avez 60, je pense, x 2 ou 30 x 2. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. En tout cas, c'est très généreux d'après ce que je vois. Et c'est imbibé de toner apaisant pour la peau. Vous pouvez les poser sur la zone qui tiraille, qui est très sèche. Et laisser 15 à 20 minutes. Après, ça va calmer un peu cette sécheresse et hydrater en profondeur la zone là où vous avez mis le patch. Donc je suis très ravie toujours des découvertes. Des découvertes avec YesStyle. Donc merci, merci de m'avoir découvert ce produit magique, j'ai envie de dire. Alors, pareil comme d'habitude, je vais vous mettre des captures ici avec les compositions, les liens, vous les retrouvez en barre d'informations. N'oubliez pas que j'ai un petit code qui vous permet d'avoir une petite réduction qui est cumulable promotion, donc ce n'est pas rien, voilà. Et ça me permet de mon côté de gagner des petits points pour acheter des produits et vous les montrer. Donc c'est infusé en gros de poivre de tasnamite, d'extrait fragile de codia
et d'extrait de cica pour encore avoir cet effet apaisant et hydrater la peau. Elle convient pour les peaux les plus sensibles sans aucun souci. En tout cas, il paraît que c'est un produit magique, j'ai hâte de le tester. Je vous en parlerai très certainement dans mes vidéos produits terminés et je pense que c'est juste une dinguerie. Voilà en ce qui concerne le premier produit de la routine. Donc j'attrape le deuxième produit et c'est un sérum de la marque Beauty of Joseon. On va ouvrir ça, c'est une très très belle marque coréenne, pareil pour les produits skincare. J'ai testé cet été l'écran solaire et quoi d'autre, je sais plus ce que j'ai testé. Je pense que j'ai testé deux produits de la marque et c'est une très très belle marque. Encore une fois, rapport qualité-prix, c'est juste dingue. Alors, le flacon est comme ceci, on est sur un format 30 ml, donc format pipette. Hop, très pratique pour les sérums. Au moment où je filme cette vidéo, le sérum il est à 13,95€ au lieu de 17€, c'est juste dingue, un sérum 30 ml, donc c'est un format full size à 13€, c'est juste dingue. Et comme je vous ai dit, avec mon code, vous allez avoir encore une petite réduction. Donc, on ne peut pas demander plus. Donc, c'est un sérum réparateur composé à 63% d'eau de racine de ginseng et 3% de mucine d'escargot. C'est bon à savoir. Je sais que certaines personnes ne supportent pas le fait d'avoir... l'escargot, bien cette viscosité peut-être. Bon, on va essayer, mais je pense que vu la texture, il n'y a pas cet effet visqueux de la bave d'escargot. Justement, ici, on dit que la texture est légère, mais nourrissante, hydrate en profondeur afin de prévenir le vieillissement et la pigmentation pour une peau éclatante de jeunesse. Donc voilà. Répare efficacement les peaux endommagées et réduit les rides tout en boostant l'élasticité de la peau. C'est exactement ce que je veux. Formule sûre contenant des ingrédients certifiés Green Great. Donc Green Beauty. Appliquez une quantité appropriée de produit sur votre visage et tapotez délicatement pour une meilleure absorption. On va tester ça sur ma main pour voir justement est-ce qu'il y a cet effet de... Parce que je sais, il y a des personnes, dès qu'on entend escargot, ça... Voilà. Mais non, regardez-moi cette légèreté. Il est très très léger. Il y a légèrement... Quand même, hein. Un tout petit pouls, mais ça, c'est vraiment non, ça, c'est juste au premier toucher, vous sentez une légère viscosité, à vrai dire, mais après ça part et ça se casse en eau, c'est tellement léger, il n'y a pas d'odeur, c'est très neutre. Moi, je suis refaite. Ça va être mon sérum chouchou, je suis trop contente. Donc voilà en ce qui concerne ce sérum là, franchement petit prix, les bienfaits, la composition, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Il n'y a pas mieux, hein? Je peux pas vous trouver moins cher que ça et plus clean que ça. On continue cette découverte, moi j'adore découvrir de nouveaux produits et surtout si c'est de la K-Beauty, je suis sur un nuage. Alors, on passe au masque parce que j'ai reçu un masque et là, tenez-vous bien, je suis sûre qu'il va vous plaire. C'est un masque de la marque Amfrom, c'est une marque très connue, pareil en K-Beauty, j'ai testé pas mal de produits, ils ont pas mal de produits pour apaiser la peau pour les peaux les plus sensibles et aussi j'ai pris dernièrement, je pense, de la même gamme. Oui, il est là. La crème pour les yeux, Ginseng Eye Cream, enfin. Donc c'est une excellente marque, je peux vous garantir, tester, approuver. Et là, je découvre avec vous,
je suis très contente de découvrir un nouveau masque de la crème. Masque de la crème. Voilà, la fille, elle est... Et c'est plus quoi dire. Un nouveau masque de la marque. Allez, ouvre-toi. J'ai perdu ma patte de chat. Écoutez. Alors, quand on dit masque, on dit spatule. Et on a toujours une spatule avec les masques, généralement, en peau de la K-Beauty. Et ici, la spatule, elle est trop mignonne. Elle est en bois. Il y a marqué dessus Inflamme. J'adore. C'est naturel, déjà. Voilà. C'est un pot de miel, le truc. J'ai un pot de miel. Je vais étaler sur ma peau. Donc ici, on a un pot de miel en vert aussi. Un pot de masque en miel en vert. Donc, trop bien. On va l'ouvrir ensemble. Oh là là. Oh, on a limite envie de le tartiner sur un petit pain de mie. Sur un bout de pain. Mais regardez-moi, c'est la dinguerie de la K-Beauty. Est-ce qu'on a vu ça avant? Jamais vu. Jamais vu. C'est en fait cet effet waouh, cet effet de découverte de nouvelles textures, de nouvelles compositions, de nouvelles odeurs, l'effet de sensorialité. C'est un monde à part. Hein. Quand on est addict, on se comprend. Alors, je veux pas toucher à la spatule. Je prends un petit bout. Je l'étale sur ma main. Attention les abeilles quand vous allez mettre ça sur la figure. C'est très visqueux. C'est du miel. C'est collant. Ça sent fort le miel quand même. Hein. Ça sent le petit déj. Mais c'est très hydratant. Mais c'est très hydratant. On sent directement que la peau... Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Regardez-moi. Et ici déjà, la peau, elle est nourrie. Oh là 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 là. Et imaginez, après une pause de 15 à 20 minutes de cette dinguerie, la peau, elle va vous remercier. Et vous allez me remercier. Alors, on va regarder ce qu'il y a noté sur ce pot magique. Je suis très emballée. Je suis très emballée, je l'avoue. À cet instant même, le masque, déjà, avant de commencer, il est à 27,30€ au lieu de 39€. Il est en promotion et avec mon code, vous allez avoir encore une petite réduction. Peut-être que ça va être dans les 25€. Vous avez un pot de 120 grammes quand même, c'est pas négligeable. C'est une très 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 bonne quantité. Et puis voilà, donc ce masque à rincer premium renferme 38,7% de miel. Donc, wow, de miel naturel provenant de la montagne de Jiri en Corée. Donc, sa formule contient également de la propolis, du venin d'abeille, des huiles de noix, de macadamia. Je pense que c'est cette odeur-là qui est la plus frappante, du jojoba, de noisette et de tournesol qui raffermit les pores, mais également hydrate et nourrit. Ça, je peux vous le garantir là, immédiatement. Je peux vous dire que c'est sûr, ça hydrate et ça nourrit. Résultat, une peau plus douce. Plus lisse, appliqué pendant une durée de 10 minutes à 1 heure, mais je sais pas comment on peut tenir avec 1 heure de miel sur la figure. Puis rincer à l'eau tiède, oui, sinon ça va pas partir. Ne mettez pas le masque au réfrigérateur, sinon il va durcir et vous pouvez plus l'étaler. Logique, donc composition au top, format très généreux. Résultat presque instantané. Je peux pas faire mieux. Pareil pour le masque, je peux pas faire mieux là. Prix, rapport qualité prix excellent, et il est recommandé par les influenceurs. Voilà en ce qui concerne ce troisième produit. Pour finir, le dernier produit, et je vais vous libérer, mais restez jusqu'à la fin.
La crème, donc on a une crème de la marque Dr. Belmer Advanced, la crème Cica Crème Hydro, c'est celle-là. C'est une découverte, c'est une marque que j'ai vu passer sur les réseaux mais j'ai jamais testé et je suis trop contente, donc forcément je suis trop contente de l'avoir entre les mains et de pouvoir vous la montrer. Alors on détient un tube dentifrice comme ceci. C'est comme ceci, on a un format de 60 ml. Je vais sentir un peu. Je vais sur l'autre main. Tester la crème. Elle est comme ceci. Texture hyper légère, hyper fluide. Oh, jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. L'odeur est juste dingue. Mais la texture, comment ça commence en crème, après ça devient comme un sérum. C'est dingue, ça hydrate. Pff. Regardez cette partie de la main et cette partie. Choquée. Je suis choquée, pas une seule déception. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on nous raconte sur cette crème. The Face Shop, la marque. Je vous ai dit des bêtises, je pense. La marque, c'est The Face Shop. La gamme, c'est Dr. Belmer. Et là, le produit, c'est Cica Hydro Cream. Alors, là, on est sur un 60 ml, le 24 euros. Elle n'est pas en promotion. Donc, elle contient la Centella Asiatica, des extraits de Centella Asiatica, de l'acide hyaluronique. Pour améliorer pour booster l'hydratation de la peau. Il a été prouvé et testé que cette crème, elle régénère et elle protège, elle régénère les peaux endommagées à cause et irritées à cause de la déshydratation, la sécheresse, et rend la peau hydratée et rafraîchie. En tout cas, c'est juste dingue. En tout cas, je suis très ravie d'avoir reçu cette crème. C'est une nouveauté pour moi, que ce soit la marque et cette texture-là. J'ai vu. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des petites idées. N'hésitez pas à utiliser. Je vais vous montrer comment utiliser le code parce qu'il y a deux champs. Vous avez des coupons de promotion et le code de parrainage. Donc, c'est plutôt au niveau du code de parrainage où vous mettez le code Mimina 21 pour que la remise passe. C'était un vrai plaisir de tourner cette vidéo, de vous montrer cette sélection de produits. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.